Le Hyakkyakyo ou Hyakkyakko est une procession de yokai survenant durant les nuits d'été. Elle est menée par le Nurarihyon, mais n'espérez pas admirer cette manifestation étrange. Tout humain qui croiserait sa route, ou même qui l'apercevrait, se verrait dévoré par les monstres, tandis que son âme serait arrachée. Mieux vaut donc rester cloîtré chez soi durant la nuit du Hyakkyakyo, mais les plus courageux peuvent se risquer à chanter un sutra protecteur spécifique pour ne pas être attaqué par les yokai. Le Hyakkyakyo est un thème courant dans l'art visuel japonais. Traduit littéralement en parade nocturne des 100 démons, elle est représentée dans des rouleaux enluminés nommés Hyakkyakyo Emaki. La légende en elle-même remonterait à l'époque Heian, et elle serait représentée selon les historiens de l'art dès l'époque Kamakura, pour devenir extrêmement populaire à l'époque Muromachi. Il ne subsiste malheureusement pas de rouleau aussi ancien parmi la soixantaine encore existants, le plus vieux remontant au XVIe siècle. Il se nomme le Shinju-an, est conservé au temple Daitokuji de Kyoto et a été attribué, mais on n'en est pas certain, au peintre Tosa Mitsunobu. Ce rouleau représente, comme vous pouvez le voir, surtout des yokai de type Tsukumogami, dont nous avons parlé dans l'épisode 1 de Yokai no Jidai. Le Hyakkyakyo a aussi inspiré le célèbre Toriyama Sekien, qui est le premier à avoir répertorié les yokai dans ses ouvrages, dont le premier, Gazu Hyakkyakyo, est paru en 1776. Yo, oh, c'est toi.